Thessalonique, la capitale de la Macédoine. Deuxième ville et deuxième port du pays. Ces fortifications témoignent encore de l'importance de la ville. La cité a été un enjeu majeur pour l'empire d'Alexandre le Grand, puis pour l'empire romain, et enfin pour l'empire ottoman. Thessalonique compte aujourd'hui 1 million d'habitants. Elle n'a jamais cessé de grandir. La place Aristote est la plus grande de la ville. Et c'est un architecte français qui l'a dessinée. C'est une place qui a été conçue par Ernest Ebrard, qui était l'architecte qui a reconstruit, qui a reconçu sur tous les plans de la nouvelle Thessalonique après le grand incendie de 1917. Et Ebrard avait conçu un plan de ville moderne, un peu à la façon du baron Haussmann à Paris, avec des perspectives qui ouvraient la ville. Et donc, le cœur de son dispositif, c'était la place Aristotélos, qui part de la mer et qui remonte vers l'agora romaine. Et ensuite, c'est la ville haute. Thessalonique s'est reconstruite sur ses cendres. L'incendie de 1917 change le visage de la ville. En 32 heures, un tiers de Thessalonique part en fumée. 9500 bâtiments sont détruits, plus de 70 000 personnes sans abri. C'est le cœur de la ville qui est touché. La nouvelle Thessalonique est aujourd'hui une ville moderne. Après l'incendie, de larges avenues sécurisent les quartiers et mettent aussi les monuments en valeur, comme ici, la basilique Sainte-Sophie, ou l'arc de Galère, qui célèbre la victoire de cet empereur sur les Perses. Des monuments qui surgissent au cœur de la ville moderne. Ici, la ville a toujours été extrêmement dense, densément peuplée. Et ça a été toujours une capitale administrative au moins, culturelle, commerciale. Et les habitants de Thessalonique ne se sont pas embarrassés de tous les vestiges archéologiques qui parsemaient la ville. Ils ont intégré ça dans leurs maisons, dans leurs rues, etc. Ils ont construit autour, ils en ont détruit quelques-uns. Et voilà, donc ça n'a jamais été sacralisé. Ça fait partie du quotidien. Au bout de la perspective, la rotonde, reconnue patrimoine mondial par l'UNESCO, en 1988. Cette rotonde, qui a été construite pour être un mausolée ou un temple, on ne sait pas trop, est vite devenue une église. Ensuite, c'est devenu aussi une mosquée, puisqu'on voit encore le minaret. Et la rotonde est redevenue une église quand les Grecs ont reconquis la ville de Thessalonique avant la Première Guerre mondiale. La rotonde devient église au IVe siècle. L'empereur Constantin la pare de mosaïques d'or. Elles viennent tout juste d'être restaurées. En devenant église, le monument romain s'adapte à sa nouvelle vocation. La plus importante intervention, étant donné que le monument est circulaire, était de réaliser un axe est-ouest. L'addition d'un chœur certifie la conversion du monument en église chrétienne. On devine en effet que les arcades originelles ont été interrompues. Le chœur, ajouté au monument circulaire, est encore plus visible du ciel. Sous la coupole, l'or se fait lumière et les personnages apparaissent. Sous la voûte, nous pouvons voir quatre figures ailées, des archanges, des victoires et entre eux un oiseau, le phénix. Au centre,
Les archéologues pensent que Constantin s'était fait représenter en Messie. Les Ottomans l'ont effacé. Pour circuler à Thessalonique, rien ne vaut le deux roues, ou trois à la rigueur. C'est en tout cas le moyen de transport qu'ont choisi Prodromos Nikiforidis et Bernard Cuomo, deux architectes de la ville. Ils nous emmènent sur le front de mer qu'ils ont transformé. Juste après la Tour Blanche, c'est aujourd'hui la plus belle promenade de Thessalonique. Trois kilomètres et demi de perspectives redessinées et de jardins. Un lieu pour les rencontres, le sport ou le répit, au ras des flots. Le niveau de l'eau est quand même très proche du niveau de la terre. Ce qui fait que souvent on a l'impression qu'en fait d'une continuité visuelle. On change de matériau, on passe de la terre à un élément liquide. Mais en fait, on a cette espèce d'élan, quoi. Et ça, c'est assez intéressant et assez caractéristique de la ville. Pour moi, c'était quelque chose de très important. C'est-à-dire que si jamais on veut un peu échapper à ce contexte urbain très fort, puisque la ville est très dense, si on se rapproche de la mer, on a l'impression d'être devant quelque chose d'immense, d'infini, et c'est très, très reposant et très, très important. Des 13 jardins qu'ils ont dessinés, celui de l'eau est le préféré des promeneurs. Les gens ici l'appellent le jardin des nénuphars. Pour nous, c'est le jardin de l'eau, parce que c'est comme ça qu'on l'a appelé. Mais n'importe comment, c'est le jardin du plaisir. Le mur d'eau atténue le bruit de la ville. Une oasis au cœur de la cité. Le soir, c'est encore sur la promenade que Thessalonique se retrouve pour un spectacle toujours changeant et féerique. Les parapluies s'illuminent, puis la promenade s'éclaire comme une longue piste d'envol.